Es war 1990 an der Comédie Française. Erstmals in seinem Leben zeigte der geniale italienische Autor, Schauspieler, Regisseur und Gaukler Dario Fo einen Klassiker aus dem Molière-Repertoire, eine Überraschung. Gewöhnlich zieht es der engagierte Künstler und Theatermann vor, mit eigenen Possen heutiges Unrecht anzuprangern und das Lachen als Waffe im Dienst der Unterdrückten einzusetzen. Ende der 60er Jahre hatte er etwa im eigenen krisengeschüttelten Land satirische Komödien vor bestreikten Fabriken aufgeführt. Weshalb dann Molière? Dessen ätzenden Humor, Respektlosigkeit, Heftigkeit will er uns erneut erschließen. Dario Fo, der in Italien immens populäre Bühnenstar, ist auch höchst gelehrt. Um die Schauspielkunst in den Griff zu bekommen, hat er sie in allen Übersetzungen, in jedem Stil studiert. Vielleicht enthüllt er uns einen neuen Molière. Mi chiamo Dario Fo e sto mettendo in scena il medico volante e il medico malgrado se stesso di Molière alla Comédie Française. Das Schwerste an der Inszenierung dieses Stücks war, mir Selbstvertrauen zu geben, das heißt, alles Störende auszuschalten. Zweifel, Angst, arrogant zu sein, zu übertreiben und alle Komplexe abzulegen. Die eine so ehrfurchtgebietende Einrichtung wie die Comédie Française einflößen kann. Bei uns im Theater sagt man, die größten Komödiendichter seien die größten Diebe. Ich glaube, Molière ist der größte Dieb, den man finden kann. Aber ein Dieb, der fähig ist, das Diebesgut zu verwandeln. Manchmal stiehlt er Steine, die bei ihm zu Gold werden. Das Wichtigste hat er aus der Commedia dell'arte entwendet. Das Verrückte, dem keine Grenzen gesetzt sind, die Möglichkeit, über das Theater hinauszugehen. Das alles hat er gelernt, das Irre, diese Fantasie, die Ironie, das Groteske an der Commedia dell'arte. Er verlieh ihr die rechte Dimension, die richtige Folge, den exakten Rhythmus und gestaltete es vor allem zu einer literarischen Situation, die in der Commedia dell'arte fehlte. Diese beruht in erster Linie auf einer Tradition, die aus der Zeit der Griechen, Römer, dem frühen Mittelalter stammt. Und Gewalt, Groteske, Tragödie zum Inhalt hat. Die Commedia dell'arte ist nicht die vermeintliche Posse. Die tragische Dimension stellt immer die Frage nach dem Zweck, nach Gewalt, Heuchelei, Tod, Leben, Liebe. Eine vollkommene Dimension und daher eine große Stärke, die intelligent genutzt wurde, besonders von dem Genie Molières. Puisque vous le voulez, je suis médecin. Je suis médecin. Mais à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Oh, oh. Qu'on la fasse encore pisser. Der fliegende Arzt ist vor allem Irrsinn des Räumlichen. Nicht auf der Horizontale wird gespielt,
sondern in einem voll ausgefüllten Aktionsfeld, das heißt, in einem von der Aktion auf Italienisch Compatto, ganz eingenommenen Raum. Da wird geflogen, die Bühne auf einer Ebene und auf der darüber liegenden überquert. Irgendwann sind die Schauspieler nicht mehr auf dem Boden, sondern allesamt in der Luft. Zappeln, schreien, machen Luftsprünge. Theater ist letztlich wirklich verrückt. De ma fille, vous ne l'aimez pas? Non! Eh ben alors pourquoi insistez-vous pour en boire? De l'eau! 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 Inszenierung ist für mich völlig bildhafte Darstellung. Ich bin ursprünglich Maler und habe das Bedürfnis zu zeichnen, Farbtupfer zu schaffen und allem, was auf der Bühne Tiefe ist, eine vertikale Dimension zu geben. Mit 15, 20 Zeichnungen halte ich eine einzige Szenenbewegung fest. Das ist für mich wichtig, um Klarheit, Logik und Rhythmus zu erzielen. Und vor allem, damit Schauspieler, Techniker und so weiter sehen, was ich will. Für Molière bin ich bei 40 verschiedenen Bildern pro Szene angelangt. Das sind zum Schluss 200 oder 300. Eine Art vollständiger Comicstreifen sämtlicher Szenen. Ich zeige den Schauspielern, was ich vorhabe. Wir diskutieren und fangen an. Manches, das skizziert wurde, gelingt natürlich nicht beim ersten Mal. So zeichne ich nochmals und manchmal gelingt es nach dem Spielen, nachdem feststeht, in welchem Rhythmus die Darsteller improvisieren. Ich dränge sie stets dazu, frei zu spielen, zu erfinden, kreativ zu sein und nicht nur auf Anweisungen zu warten. Nous autres grands médecins, nous connaissons d'abord les choses. Un ignorant aurait été embarrassé et vous eût été dire c'est ceci, c'est cela. Tenez-vous, voulez ma carte? Voilà ma carte. Je consulte tous les jours de la semaine. Mais moi, je touche au but du premier coup et je vous apprends que votre fille est muette. Ich finde, die Schauspieler der Comédie Française stellen hohe Ansprüche an sich, sind gewissenhaft und letztlich mutiger als viele ihrer Kollegen. Ich arbeite also mit Leuten, die fähig sind, etwas zu riskieren. Der Hauptdarsteller hatte irgendwann ein technisches Problem und drohte zu stürzen. Ich sagte ihm, er könnte sich die Beine brechen, aber er war nicht davon abzubringen. Ein anderes Mal sollte er Feuer spucken und dazu Petroleum in den Mund nehmen. Ich erklärte ihm, das sei unmöglich. Dazu brauche es eine Technik. Er sagte, er sei dazu fähig, habe es schon gemacht. Er tat es und erst später erfuhr ich, dass es das erste Mal gewesen war. Solche Schauspieler habe ich noch nie gefunden. Charmante bouteille, que tes glouglous me paraissent doux. Lorsque je bois ta liqueur sans pareille, dans le moment, mon esprit se réveille.
Ich habe mit Theaterspielen angefangen, ohne es zu merken. Ich war ein Kind und spielte mit den anderen Kindern. Dann erzählte ich Geschichten. Das war eine Zeit, in der alle Theater spielten, weil sie Spaß daran hatten. Dieses Land der Fabeldichter ist in ganz Italien berühmt, heißt Porto Valtravaglia und liegt am Lago Maggiore. Ja, das alles hat mich zum Theater geführt. Ich bin ein Handwerker, natürlich mit Talent und vor allem mit Fachwissen. Ich habe das enorme Glück, Maler zu sein, fast ein Architekt, Sänger, aber auch Musiker, ein guter Techniker, Darsteller, Komödiant, habe eine Schauspielerin zur Frau und Eltern, die Theater machen. Das alles hat mir viel geholfen und das Theater nimmt mich ganz in Anspruch. Theater ist ein wundervolles Mittel, sich über Macht und Heuchelei lustig zu machen. Es ist das Vergnügen, Gewalt und Heuchelei der Mächtigen aufzudecken. Ein großer Spaß. Je veux résolument que ma cousine épouse Villebrequin. Et les affaires sont tellement avancées que je crois qu'ils eussent été mariés dès aujourd'hui. Mais si vous n'étiez aimé. Mais quand ma cousine m'a confié le secret de l'amour qu'elle vous porte et que nous nous sommes vus à l'extrémité par l'avarice de mon vilain oncle, nous nous sommes avisés d'une bonne invention pour différer le mariage. Quelle invention? C'est que ma cousine, dès l'heure que je vous parle, contrefait la malade. Oh, 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 oh. Chut.
Et le bon vieillard, qui est assez crédule, m'envoie acquérir un médecin. Si vous en pouviez envoyer quelqu'un qui fût de vos bons amis et qui fût de notre intelligence, il conseillerait à la malade de prendre l'air à la campagne. Le bonhomme ne manquera pas de faire loger ma cousine à ce pavillon qui est au bout de notre jardin. Et par ce moyen, vous pourriez l'entretenir à l'insu de notre vieillard, l'épouser et le laisser fester tout son sou avec Villebrequin. Mais le moyen, dis-moi, de trouver sitôt un médecin à ma poste et qui voulut tant hasarder pour mon service. Je te le dis franchement, je n'en connais pas un. Je songe une chose. Si vous faisiez habiller votre valet en médecin, il n'y a rien de si facile à tuer que le bonhomme. Mais non, c'est un lourdeau qui gâtera tout. Mais il faut s'en servir, faute d'autre. Adieu. Je la vais chercher. Ah. Où diable trouver ce maroufle à présent? Illustre seigneur, magnifique, splendide, lumineux, comme le feu dans le soleil levant. Oh, mon pauvre Sganarel, que j'ai de joie de te voir. J'ai besoin de toi dans une affaire de conséquence. Mais comme que je ne sais pas ce que tu sais faire... Ce que je sais faire, monsieur, employez-moi seulement vos affaires de conséquence. En quelque chose d'importance. Par exemple, envoyez-moi voir quelle heure il est à une horloge. Voir combien d'heures vaut au marché abreuver un cheval. C'est alors que vous connaîtrez ce que je sais faire. Ce n'est pas cela. C'est que j'ai besoin que tu contrefasses le médecin. Moi, médecin, monsieur, je suis prêt à faire tout ce qu'il vous plaira, mais pour faire le médecin, je suis assez votre serviteur pour ne rien faire du tout. Mais par quel bout m'y prendre, bon Dieu? À ma foi, monsieur, vous vous moquez de moi. Hein? Si tu veux entreprendre cela, va, je te donnerai... 10 pistoles. Ah, pour 10 pistoles, je ne dis pas que je ne sois médecin. Car vous dites bien, monsieur, je n'ai pas l'esprit tant subtil. Pour vous dire la vérité. Mais quand je serai médecin, où irai-je? Chez le bonhomme Gorgibus. Voir sa fille, qui est malade. Mais tu es un lourdeau qui, au lieu de bien faire, pourrait bien... Oh, mon Dieu, monsieur, ne vous mettez point en peine. Je vous réponds que je ferai aussi bien mourir une personne qu'aucun médecin qui soit dans la ville. On dit un proverbe d'ordinaire, après la mort, le médecin. Oui. Mais vous verrez que si je m'en mêle, on dira, après le médecin, gare la mort. C'est moi qui suis tombé par terre ou la terre qui s'est précipitée sous moi? Mais néanmoins, quand je songe, cela est bien difficile de faire un médecin si je ne fais rien qui va. Il n'y a rien de si facile en cette rencontre. Gorgibus est un homme simple, grossier, qui se laissera étourdir de ton discours, pourvu que tu lui parles d'Hippocrate et de Galien, et que tu sois un peu effronté. Hippocrate, Galien, c'est-à-dire qu'il faudra parler philosophie, mathématiques. Laissez-moi faire, monsieur. S'il est un homme facile, comme vous le dites, je vous réponds de tout. Venez seulement me faire avoir un avis de médecin et m'instruire de ce qu'il faut faire et me donner mes licences, qui sont les 10 pistoles promises. Auguste! Ah, tu es un lourdeau! Dieu ne veut bien faire!
écrire un médecin car ma fille est bien malade. Et dépêchez-vous. Mais que diable aussi! Pourquoi vouloir donner votre fille à un vieillard? Oh! Ne croyez-vous pas que c'est le désir qu'elle a d'avoir un jeune homme qui la travaille? Oh! Voyez la connexité qu'il y a. Che triste senza voce e la disperazione, senza spirito gaio, infelice il cuore, per vincerò ogni cosa, bisogna amarsi bene. Questo solo conviene, questo eccellente, e tutto il resto, e tutto il resto è niente, niente. Ah. Connexité qu'il y a. Oh. Il y a connexité. Tout le monde voit la connexité, mais lui ne la voit pas. Mais va-t'en vite. Oh, va-t'en, car je vois bien que cette maladie-là reculera bien les noces. Oh, je vous trouve un franco, mon oncle, pour vous apprendre une bonne nouvelle. Je vous amène le plus habile médecin du monde. Oh. Un homme qui vient des pays étrangers, qui sait les plus beaux secrets et qui sans doute guérira ma cousine. On me l'a indiqué par bonheur et je vous l'amène. Il est si savant que je voudrais de bon cœur être malade afin qu'il me guérisse. Et où est-il donc? Le voilà qui me suit. Tenez, le voilà. Oh, oh. Très humble serviteur, monsieur le médecin, je vous envoie quérir pour voir ma fille qui est malade. Je mets toute mon espérance en vous. Hippocrate dit, ah. Et Gallien, ah. Par vive raison, persuade qu'une personne ne se porte pas bien comme elle est malade. Oh. Vous avez raison de mettre votre espérance en moi, car je suis le plus grand, le plus habile, le plus docte médecin qui soit dans la faculté végétale, sensitive et minérale. Vous m'envoyez hors la vie. Ne vous imaginez pas que je sois un médecin ordinaire, oh. Un médecin du commun. Oh. Tous les autres médecins ne sont à mon égard que des abortons de médecine. J'ai des talents particuliers, comme c'est bizarre. J'ai des secrets. Rodrigo Satud ou Corum. Tout autre risque, mon père, Romnia Secula Secular. Amen. Amen. Mais encore, voyons un peu. Un, deux, ah, le voilà, le brigand. Lancette. Hey, oh. C'est pas lui qui est malade, c'est sa fille. Mais n'importe, le sang du père et de la fille ne sont qu'une même chose. Oh, oh. Oh. Mais je n'ai rien. Oh, c'est le mien. Oh. Oh. Le sang du père et de la fille ne sont qu'une même chose. Oh. Oh. La couleur en est belle. Et par l'altération de celui du père, je puis connaître la maladie de la fille. Oh. Ah. Monsieur Gorgibus, attention. Bougie. Bougie. Et voilà la bougie. Attention, loupe. Et voilà la loupe. Tu me vois? Non. C'est bouché. C'est bouché. Clister. Et voilà le clister. Bon. Oh. Loupe, et voilà la loupe, tu me vois? Oui, ah, oui. Je vois le brigand. Bougie. Et voilà la bougie. Chaleur. C'est parfait, monsieur Gorgibus. Oui. Y aurait-il moyen de voir de l'urine de l'égrotante? Ah oui, da, Sabine. Sabine, allez vite guérir de l'urine de ma fille. Ah, monsieur le médecin, j'ai grand peur, mais grand peur qu'elle ne meure. Comment? Ah, qu'elles sont en garde bien. Il ne faut pas qu'elles s'amusent à se laisser mourir sans l'ordonnance du... Bon, au feu. 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 Vite, Lucille, poisson, poisson. Vite, Lucille, poisson, poisson. Et voilà. Ah. Thank you.
tas de l'urine qui marque grande chaleur, grande inflammation dans les intestins. Oh. 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 Elle n'est point tant mauvaise pourtant. Mais quoi, monsieur, quoi? Vous l'avalez? Ne vous étonnez point de ça, les médecins d'ordinaire se contentent de la regarder. Et moi, qui suis un médecin hors du commun, je l'avale. Oh. Parce qu'avec le goût, je discerne bien mieux la cause et les suites de la maladie. Oh. Voulez-vous goûter? Ah non, merci, Jacques. Je n'ai pas le goût si subtil. Mais à vous dire la vérité, il y en avait trop peu pour asseoir un bon jugement. Oh, non. Oh. Oh. Qu'on la fasse encore pisser! Vite, Lucille, pressons, pressons! Vite, Lucille, pressons, pressons! Il y aurait bien celle de ce matin, encore toute fraîche! Eh bien, qu'attends-tu, va la chercher! Oh, j'ai bien une appel, elle a bien pissé! Que cela? Voilà bien une fois, faites-la pisser copieusement! Copieusement! Si tous les malades pissent de la sorte! Oh, oh! Je veux être en médecin toute ma vie! Vite, Lucille, pressons, pressons! Vite, Lucille, pressons, pressons! Et voilà! Encore plus près que ce matin! Ah, mais non, la tournée! Voilà, tout ce qu'on est à voir! Et oh, monsieur Gorgibus! Oui! Pas trop fille, une piste de dégoût! Mais qui puis-je, monsieur Kim? Voilà une pauvre pisseuse que votre fille! Une pauvre pisseuse! Je crois qu'il faudra que je lui ordonne une potion pissative! Oh, une potion pissative! Ah, n'y a-t-il pas moyen de voir la malade? Allez, levez! Si vous voulez, je la ferai venir! Faites-la venir! Je suis de la vieille école, avant de faire un diagnostic, je préfère voir la malade! Ah! Ah! Voici ma fille! Chapitre qu'il a fait de la nature des animaux dit, qu'est-ce qu'il dit? 100 belles choses. Et comme les humeurs qui ont de la connexité ont beaucoup de rapports. Car, par exemple, comme la mélancolie est ennemie de la joie, et que la bile qui se répand par le corps nous fait devenir jaune, et qu'il n'y a rien de plus contraire à la santé que la maladie, nous pouvons dire avec ce grand homme que votre fille est fort malade. Fort malade, oh. Il faut que je vous fasse une ordonnance. Une ordonnance, allons vite. Une table. Allons vite, une table. Et voilà la table. Oh. Voilà la table. Voilà la table. Un siège. Et voilà le siège. Vite, le siège. Oh. Voilà le siège. Voilà le voilà siège. Le siège. De l'encre et du papier. Et voilà. Les voilà. Y a-t-il ici quelqu'un qui sache écrire? Bah, et quoi, ne le savez-vous pas? Non. Oh. Non. J'avais oublié. Ah. J'ai tant d'affaires dans la tête que j'oublie la voiture. Je crois qu'il serait nécessaire que... Oui. Votre fille prie un peu l'air. Ah. Quelle... Qu'elle se divertit. Qu'elle se divertit. À la campagne. À la campagne. Nous avons là-bas un fort beau jardin et quelques chambres qui répondent. Si vous le trouvez à propos.
je l'y ferai loger. Allons, allons visiter les lieux. Allons. Allons. Que la fille de M. Gorgibus était malade, il faut que je m'informe de sa santé et que je lui offre mes services comme ami de toute sa famille. Du vin là-dedans, comme c'est curieux. Hola, hola, M. Gorgibus, y est-il? Oh, très humble serviteur, monsieur. Ah, je vois que vous vous intéressez aussi aux productions de ma fille. Productions des demoiselles, la couleur en est bonne. Ah, oh, c'est savant, mais quelle manie. Mais prenez celle-ci, elle est plus fraîche de ce matin. Non, non, merci, c'est deux gouttes, me suffisent. À votre santé. Oh. Ayant appris la maladie de mademoiselle votre fille, je vous suis venu témoigner la part que j'y prends et vous faire offre de tout ce qui dépend de moi. Oh, j'étais là-dedans avec le plus savant homme, un médecin, au talent tout à fait particulier. Un savant homme au talent tout à fait particulier? N'y aurait-il pas moyen de l'entretenir un moment? Oh, mais très certainement, monsieur. Monsieur, voilà un très habile homme de mes amis qui souhaiterait de vous parler et vous entretenir. Je n'ai pas le loisir, monsieur Gorgibus, il faut aller à mes malades. Je ne prendrai pas la droite avec vous, monsieur. Monsieur, après ce que m'a dit monsieur Gorgibus de votre mérite et de votre savoir, j'ai eu toute la passion du monde d'avoir l'honneur de votre connaissance et j'ai pris la liberté de vous saluer à ce dessein. J'espère que vous ne le trouverez pas mauvais. Il faut avouer que tous ceux qui excellent en quelque science sont dignes de grandes louanges, et particulièrement ceux qui font profession de la médecine, tant à cause de son utilité que parce qu'elle contient en elle plusieurs autres sciences, ce qui rend sa parfaite connaissance fort difficile. Oh non ! Et c'est fort à propos qu'Hippocrate dit dans son premier aphorisme, Vita brevis ars vero longa, occasio autem precepts, experimentum periculosum, judicium difficile. Difficile est tantina potabarel combustibus. Ah, combustibus ! Oh ! Mais non. C'est l'urine! Oui, l'urine de ma fille, vous ne l'aimez pas? Non! Eh ben alors pourquoi insistez-vous pour en boire? De l'eau! 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 À votre santé, monsieur! Ah oh, non! De l'eau! De l'eau! De l'eau! De l'eau! Suivez, c'est passionnant! Vous n'êtes pas de ces médecins qui ne vous appliquez qu'à la médecine qu'on appelle rationnelle pratique, et je crois que vous l'exercez tous les jours avec beaucoup de expérience simple, magistrat. Les premiers hommes qui firent profession de la médecine furent tellement estimés d'avoir cette belle science qu'on les mit au nombre des dieux pour les belles cures qu'ils faisaient tous les jours. Ce n'est pas qu'on doive mépriser un médecin qui n'aurait pas rendu la santé à son malade, parce qu'il ne dépend pas absolument de son remède ni de son savoir. In eterdum docta plus valet arte malum, parfois le mal est plus fort que le savoir. Et liberano, ça va. Oh, Marc de Grande, ça va. De l'eau. Je suis aveugle. Dommage. Monsieur, je prends congé de vous dans l'espérance que j'ai qu'à la première vue, j'aurai l'honneur de m'entretenir avec vous avec plus de loisirs. Vos heures sont précieuses. Bonsoir, madame. Eh bien, que vous semble de cet homme-là? Il sait quelques petites choses. Ah. S'il fut demeuré tant soit peu davantage, je l'allais mettre sur une matière sublime et relevée. Cependant, je prends congé de vous. Ah, oula. Mais que voulez-vous faire? Ah, je sais ce que je vous dois. Vous moquez, monsieur Gorgibus, je n'en prendrai pas. Non, mais si. Je ne suis point un homme mercenaire. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Mais si. Mais non. Ah, ben tant pis. Mais non. Oh. Comme dit Socrate, avec l'argent, il faut savoir garder ses distances. Oh, c'est un monsieur Victor, monsieur Gorgibus. Oh, quel homme, mais quel homme discret. Mmh.
Je ne sais ce qu'aura fait ce Ganarelle, je n'ai point toutes ces nouvelles. Et je suis fort en peine, je le pourrais rencontrer. Ah, mais bon, le voici, eh bien, Ganarelle. Illustrissime seigneur, splendide, merveilleux, lumineux, comme le feu dans le soleil levant. Malipat. Qu'as-tu fait depuis que je ne t'ai point vu? Merveille sur merveille. Hein? J'ai si bien fait que Gorgébus me prend pour un habile médecin. Oh, vraiment? Je me suis introduit chez lui et lui ai conseillé de faire prendre l'air à sa fille. Laquelle est à présent dans son appartement, vive au bout de notre jardin. Tellement! Et qu'elle est fort éloignée du billard et que vous pouvez l'aller voir commodément. Ah, que tu me donnes de joie. Sans perdre de temps, je l'avais trouvé de ce pas. Illustrissime, vous n'oubliez rien? Oh! L'autre! Oh! Le maître qui vole son valet! Quel monde! Il faut avouer que le bonhomme Gorgibus est un vrai bandeau de se laisser tromper de la sorte! Non, mais il a parce que tout est perdu. C'est à ce coup que voilà la médecine renversée. Mais il faut que je le trompe. Bonjour, monsieur Nelson. Ah, oh, monsieur, votre serviteur. Monsieur, vous voyez un pauvre garçon au désespoir? Ah. Ne connaissez-vous pas un médecin qui est arrivé depuis peu dans cette ville? Oh! Il fait des cures admirables. Mais pardieu, oui, je le connais. Et il vient de sortir de chez moi. Je suis son frère, monsieur, nous sommes gémeaux. Gémeaux? Et comme nous nous ressemblons fort, on nous prend quelquefois l'un pour l'autre. Oh, je te donne au diable si je m'y étais trompé. Comment vous nommez-vous? Narcisse, monsieur. Narcisse! Pour vous rendre service, il faut que vous sachiez qu'étant dans son appartement, oui, j'ai renversé deux fioles d'essence qui étaient sur le bout de sa table. Oh! Aussitôt, maestro, la musique de mon frère. Aussitôt. Oh! Oh, c'est tout à fait lui. Il s'est mis dans une colère si étrange contre moi qu'il m'a mis hors de logis. Tellement que je suis un pauvre garçon à présent sans appui, sans support, sans aucune connaissance. Oh, encore mes clés. Ah ben, elles sont là, c'est curieux. Ne craignez rien, il est de mes amis. Je vous promets de vous remettre avec lui. Non, pas d'argent, je vous en prie. Je lui parlerai d'abord que je le verrai. Je serais bien obligé de ce que j'ai vu. Je vous en prie, et je vous en prie, brave garçon, j'en fais mon affaire. Où sont mes clés? Il faut avouer que lorsque les malades ne veulent pas suivre l'avis des médecins, et qu'ils s'abandonnent à la dépense. Oh, monsieur le médecin. Et que... Monsieur le médecin, j'ai une grâce à vous demander. Qu'est-il, monsieur? Est-il question de vous rendre service? Oh non, pas du tout. Mais je viens de rencontrer monsieur votre frère qui est tout à fait... C'est un coquin, monsieur Gorgibus. Et quoi, monsieur? Je vous réponds qu'il est tout à fait contrit de vous avoir mis en colère. C'est un ivrogne, monsieur Gorgibus. Quoi, monsieur? Voulez-vous désespérer ce pauvre garçon? Qu'on ne m'en parle plus! Oh! Et voyez l'impudence de ce coquin-là que vous allez trouver pour faire son accord. Je vous prie de ne m'en plus parler. Au nom de Dieu, monsieur le médecin, faites cela pour l'amour de moi. Si je puis vous être utile en quelque affaire, je vous promets de le faire. Oh, tiens, de l'argent. Je m'y suis engagé. Vous m'en priez avec tant d'insistance que... Quoique je se fais le serment de ne lui pardonner jamais. Allez, touchez-la, je lui pardonne. Je vous assure que je me fais grande violence. Et qu'il faut que j'ai bien de la complaisance, pauvre. Oh, c'est très bien. Adieu, monsieur Gorgibus. Adieu, monsieur le médecin. C'est à moi. Oh! Je m'en vais à présent chercher ce pauvre garçon pour lui apprendre cette bonne nouvelle. Oh! Il faut que j'avoue que je n'eusse jamais cru que Canarelle se fût si bien acquitté de son devoir. Bravo! Ma foi, monsieur, ma foi, vous en parlez fort à votre âge, hein?
quand j'ai pu se rencontrer, et sans une invention que j'ai trouvée, toute la mèche était découverte. Oh, ah, bien, défiez-vous bien, en, le voici. Ah, monsieur. Je viens de voir monsieur votre frère qui m'assurait qu'il vous pardonnait, mais pour en être plus assuré, je veux qu'il vous embrasse en ma présence. Entrez dans mon logis et je l'irai chercher. Monsieur, je ne crois pas que vous le trouviez à présent. Hein? Et puis je ne resterai pas chez vous, je crains trop sa colère. Oh, mais vous demeurerez, car je vous enfermerai. Je ne craignez rien, je m'en vais à présent chercher votre frère. Je vous réponds qu'il n'est plus fâché. Ma foi, me voilà attrapé ce coup-là. Il n'y a plus moyen de m'en échapper. Le nuage est fort épais, et j'ai bien peur que s'il vient à crever, il ne grêle sur mon dos force coup de bâton. Ou que, par quelque ordonnance plus forte que toutes celles des médecins, on m'applique tout au moins un côté royal sur les épaules. Mes affaires vont mal. Mais pourquoi se désespérer? Puisque j'ai tant fait, poussons la fourbe jusqu'au bout. Oui, oui, il en faut encore sortir et faire voir que ce Sganarelle est le roi des fourbes. Sganarelle, viens ici, j'ai tes cheveux. Et comment? Oh, une corde, comme par hasard. Hop. Attention! Et maintenant, garde la mort! Diable, voilà qui est drôle. Et comme diable, on saute par les fenêtres ici. Oh, il faut que je demeure ici et que je vois à quoi tout cela aboutira. Oh, je ne saurais où trouver ce médecin. Je ne sais où diable il s'est caché. Oh, mais le voilà, monsieur. Ce n'est pas assez d'avoir pardonné à votre frère. Il faut pour ma satisfaction que vous l'embrassiez en ma présence. Entrez dans mon logis et faites cela pour l'amour de moi. Oh, s'il vous plaît, je vous en prie. Vous vous manquez, monsieur Gorgibus. N'est-ce pas assez que je lui pardonne? Je ne le veux jamais voir. Ah, monsieur. Faites cela pour l'amour de moi. Il n'y a rien que je ne fasse pour votre satisfaction. Veuillez, je l'attends ici. Ah, oui, ta, je m'en vais le lui dire. Monsieur? Oui, monsieur. Il y a un cerf-volant chez vous. Ah, un cerf-volant? Il ressemble à un homme au bout d'un fil, ah, avec un habit couleur châtaigne, des galons verts, les cheveux bleus, les pommes rouges. Oui, et toi le nez rouge, et le nez rouge. Ah, monsieur Gachet, voilà votre frère qui vous attend là-bas. Il m'a assuré qu'il fera tout ce que je voudrais et qu'il vous pardonnerait. Je vous prie de le faire venir ici. Oui. Je vous conjure que ce soit en particulier que je lui demande pardon, parce que sans doute il me ferait sans honte et sans opprobre devant tout le monde. Oui, ta, je m'en vais le lui dire. Monsieur, votre frère vous demande d'entrer dans la maison afin que je vous demande pardon. Pardon. Qu'est-ce que vous avez là, vous? C'est la mode. Ah, je suis curieux. Afin qu'il vous demande pardon en particulier, voici les clés. Entrez dans mon logis et faites cela pour l'amour de moi. Monsieur Gorgibus, je vous remercie. Il n'y a rien que je ne fasse pour votre satisfaction. Vous allez entendre de quelle manière je le vais traiter. Ah, doucement. Ah, me voilà. Quentin. Là, je vous demande pardon. Je vous promets qu'il n'y a pas de ma faute. Il n'y a pas de ta faute. Pilier de l'émo. Mais non. Croyez que tu es. Non. Je t'apprendrai à vivre. Oh, avoir la hardiesse d'importuner monsieur Gorgibus. Mais non. De lui rompre la tête. Mais cela n'est rien. De désolidité. Monsieur mon frère, tais-toi, tenu. Je ne vous désoblige. Tais-toi, coquin. Qui diable pensez-vous qu'il soit chez vous à présent? Monsieur le médecin avec son frère. Narcisse.
vous avez quelques différends, ils vont leur accord. Le diable emporte une leçon qu'elle. Oh, mais tu es, je t'apprendrai à vivre. Oui. Oh non. Oh, oh, oh. À l'hypocrite, comme il fait le bon apprendre. Oh non. Oh, monsieur, il voit bien qu'il a failli le mandat. Oh non. Oh. Dites-lui un peu, par plaisir, qu'il fasse mettre son frère à la fenêtre. Oui, non, monsieur. Oui. Monsieur, je vous prie de faire paraître votre frère à la fenêtre. Il est indigne de la vue des gens d'honneur. Oh. Oui, tiens. Oui, je suis indigne. Et puis, je ne saurais le souffrir auprès de moi. Oh, non, monsieur, ne me refusez pas cette grâce après toutes celles que vous m'avez faites. En vérité, monsieur Gorgibus, vous avez un tel pouvoir sur moi que je ne vous puis rien refuser. Ah. Monte. Montre-toi, coquin. Non. De l'embrasser en ma présence. C'est une chose que je refuse. Ah. À tout le monde. Oh. Sauf à... Attends, je n'ai pas dit. Ah. Oh, j'ai dit des mots. Oh. 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 C'est bien vu. Oui, je vous demande pardon de vous avoir tant importuné. Mais vous promets, mon frère, en présence de M. Gorgibus que voici. Où est-il ? Ici. Ah, je le vois. De faire si bien désormais que vous n'aurez plus lieu de vous plaindre. Vous priant de ne plus songer à ce qui s'est passé. Eh bien, ne les voilà-t-il pas tous deux ? Mais lui, par ma foi, il est sorcier. Oh, et si vous arrivez encore ? Si vous ne me délivrez pas, j'emmène votre maison avec moi. Oh ! Ah, mais non, mais certainement pas ! Oh, mais quel homme ! Oh ! Monsieur Gorgibus, voilà les clés de votre maison que je vous... Ah, je n'ai pas voulu que ce coquin soit descendu avec moi. Parce qu'il me fait honte. Oh, je ne voudrais pas qu'on le vit en ma compagnie dans la ville où je suis en quelque réputation. Vous irez le faire descendre quand bon vous semblera. Je suis votre obligé, monsieur Gorgibus. Oh, très humble serviteur, monsieur le médecin. Je m'en vais à présent délivrer ce pauvre garçon car en vérité, s'il lui a pardonné, ce n'est pas sans l'avoir bien maltraité. Là, là. Oh, monsieur Gorgibus, je vous remercie. Je vous remercie de toute la peine que vous avez prise et de la bonté que vous avez eue. Je vous en serai obligé toute ma vie. Ah, oh, ça n'est rien. Monsieur. Oui. Monsieur. Oui. Où croyez-vous que soit présent notre médecin ? Oh, mais tu m'ennuies, il s'en est allé. Je le tiens sous mon bras. Hein. Et voilà le coquin qui faisait le médecin et qui vous trompe. Et cependant qu'il vous trompe et fait la farce chez vous. Valère et votre fille sont ensemble, qui s'en vont à tous les diables. Oh, mais tu seras pendu. Monsieur, qu'allez-vous faire pour me pendre? Écoutez un mot, s'il vous plaît. Il est vrai que c'est pas mon intention que vous m'aidez avec votre fille, mais en le servant, je ne vous ai pas désobligé. C'est un pendu sortable pour elle, tant pour la naissance que pour les miens. Pendu. Pendu. Pitié. Pitié. Oh, non, ne faites pas la carte qui tournerait en pleine confusion. Et on payait tous les diables avec ces coquins-là avec des broquins. Pendu, 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 pitié, pitié. Des insultes, des querelles, qui a-t-il donc? Oh, le général a été démasqué. C'est un imposteur, un faux médecin. Faux imposteur? Ce sont titres appropriés pour un médecin et je m'offre à le défendre en justice. Mais s'il est pendu, j'espère que nous assisterons à une belle érection. Oh, non, exécution. Non, pas exécution, j'ai bien dit érection. Oh. Ne savez-vous pas que l'étranglement par la corde produit ce phénomène érotique? Oh. Empédocle nous assure que Mars, pour faire belle figure devant Vénus, se pendait tous les soirs avant de se mettre au lit. Oh. Ah ouais. Mais pour en revenir à la défense de Cialaret, voulez-vous entendre la plaidoirie que j'ai en tête? Non,
Ah! Je me meurs! Ah non! Ah si! Ah non! Oh si! Oh, c'est impossible! Et pourquoi donc? Et c'est pas dans le texte! Oh. Mais voici nos amants! Ah. Nous nous jetons à vos pieds! Ah, oh, je vous pardonne! Je suis heureusement trompé par ce canerelle, ayant un si brave gendre! Allons tous faire noce et boire la santé de toute la compagnie. Permettez-moi de prononcer son oraison. J'étais un ami. Non, non, place au médecin. Oh. 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 Oh.